Zébulon, Zébulon. Mais voici Tournicotis. Je voudrais bien respirer l'air pur du bois joli, Zébulon. Eh bien, nous y allons, Tournicoton. Un, deux, trois. Aïe, aïe, aïe. Et panier d'Ivanovitch. Aïe. Demeure, aïe. Ah, ils sont tous à droit en plus, hein, c'est assez dramatique. Et ballon pour Kukoc. Passage en force, oui. Non. Ah non, il la donne à Collins. Aïe. On aurait pu siffler un passage force. Oui. Ah, je vais vous dire, des deux côtés, on était inquiets, hein, avec le Gallois. On va regarder. René Champagne va nous remontrer. Ah non, non, Collins fait un déplacement latéral. Il faut être honnête, Collins fait un déplacement latéral. Demoré, Collins, faute. Non, non, le panier n'est pas accordé, car il y a une faute à Ivanovic. C'est sa deuxième. Et oui, c'est la limite, on dira une fois encore des règlements du basket. Ah ouais. Moi, là-dessus, je siffle une faute intentionnelle, parce qu'il casse un panier qui était tout fait pour Limoges. Et il faut souhaiter pas... Limoges demain. Bon, maintenant, il faudrait marquer les deux. Ça serait bien, ça. C'est pas arbitré dans l'esprit. Ivanovic qui prend encore une faute. Le troisième. Et oui. Deux fautes en 5 secondes. Oui. Après, il a du métier. Il va se calmer. C'est les dieux du basket là qui veillaient. Parce que ce qu'il a fait tout à l'heure. Kukoc avec une faute à Collins. C'est bien sévère cette faute à Collins, on avait l'impression qu'il avait contré le ballon. Vraiment, c'est n'importe quoi. Oui. Pour Limoges, Vestris n'est pas content. On ne va pas parler des arbitres, ça ferait jaser monsieur Luan. Lui, comme entraîneur, il ne les a jamais critiqués. Oh non! Il rentre l'épaule en avant, Kukoc. À Stéphane Ostrovski. Oh non! Mais non! Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est n'importe quoi. Il glisse, Kukoc. Regardez, il glisse et il jette la balle dehors. Bon, enfin. Et on la donne au lieu de ça. Il est à 1m50, cet arbitre. Non, mais marquez la crainte. Et c'était vrai du côté de Speed comme du côté de Limoges. Et tant pis si on nous reproche encore de parler des arbitres. Non, parlons pas, c'est bien mais, mieux. Mais il est clair que ces arbitres n'ont pas de référence internationale. Et dans un match aussi important que celui-là, on aurait pu envoyer des arbitres qui ont des références, qui ont l'habitude d'arbitrer des matchs de haut niveau. Enfin bon. Quand vous songez, Bernard, que Kukoc est aussi grand que Ostrovski. Oui, même plus grand. Hein. Même plus grand. C'est effrayant, cette Kukoc. 3 sur 4 à 3 points. 2m08. Ah, il est grand, ce Kukoc. C'est impensable d'être aussi grand. 2m08 et aussi adroit. Ah, il chute à 3 points, Kukoc, et il vient prendre un rebond après. Ah ouais, mais 2m08, hein. Ah, il est fort. Faire face à des garçons comme Raja 2m10, Sobin 2m8, Kukoc 2m8. On aimerait bien que les Français soient demandés par les Américains aussi. Ça viendra peut-être un jour. Rendez-vous compte des chiffres de Kukoc qui est à 83% de moyenne à 3 points. 3 sur 4, 75% de réussite, 6 sur 7. Ouais. Aïe. Collins, non, aïe. Oh là là, ils ont tous trois fautes. 5 joueurs à 3 fautes. C'est pour Ivestris. Allez, Richard à 3 points. Aïe, ça ne veut pas rentrer ce soir. On ne peut pas battre des Yougoslaves avec 2 sur 8 à 3 points. Non. Oh là là. Non. Aïe. Oh là là, ça fait mal aussi. Que point. Oh là là, ça a failli. Alors vous aurez remarqué la qualité de jeu, de défense de Kukoc qui n'a même pas une faute. Aïe. C'est fait. Non. Mais aïe. Oh là là. Aïe. Ouh là là, ça leur fait mal. Oui, mais enfin, ils vont faire jouer Kukoc dessous. Le mettre 8 du peu. Dancy est à terre. Aïe. Oh. Mais enfin, Dancy, il n'est pas tombé comme ça quand même. Dancy, je ne sais pas sur quoi il est tombé, mais enfin bon. Mais c'est pas fini, attention Hugo. Ouh. Et ce n'est pas fini, attention. Kukoc a 3 points, 28 points, Kukoc. Aïe. C'est pas gagné. Attention, ce n'est pas fini. Attention. Aïe. Ouh.
fini. Ici Limoges, à vous Paris, bonne nuit. 1, 2, 3, 4.